cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Alors bonjour, nous venons d'entendre comme pièce d'entrée, Alléluia bien sûr, qui a été enregistrée par Nancy Fortin, chanteuse des Folies du Vendredi au 98.5 FM, émission que Marjo aimait, ne manquait pratiquement jamais. Alors je me présente, mon nom est Derek Tremblay, je suis officier funéraire, célébrant de la vie, aussi directeur ici au complexe Le Sierre. Sentez-vous bien à l'aise si vous voulez enlever vos masques pour deux raisons. Un, probablement que vous êtes tanné. Deux, vous avez au moins une distance de 2 mètres par rapport aux gens qui sont en face de vous et qui sont de dos. Par contre, si bien sûr vous avez un malaise, vous sentez qu'il y a un picotement dans la gorge ou sur le point de tousser, je vous inviterai par contre à garder le masque. Merci. Les 3 premières pièces musicales, dont la première et les 2 prochaines que nous allons entendre durant cet hommage à la vie, ont été enregistrées exclusivement et qui ont été faites pour Marjo. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver comme tel sur YouTube. Ils ont été vraiment là, créés pour elle. Et à chaque fois que je dis Marjo, je pense tout le temps à la chanteuse Marjo. Hein? Alors, vous avez entendu au moins une fois dans votre vie la fameuse expression « métro, boulot, dodo », n'est-ce pas? Personnellement, je rajoute « métro, boulot, dodo, COVID ». On dirait que juste ça qui nous envahit et des fois, on oublie ce qui se passe peut-être réellement autour de nous, surtout l'essentiel que nous avons de besoin. Nous le savons, période de Noël, il n'y en aura pas en rassemblement. Mais si je peux me permettre indirectement, il n'y aura peut-être pas de Noël, mais au moins, indirectement, ça permet de réunir les plus proches membres de la famille, et malgré que c'est une funéraille. Eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre ce temps en l'honneur de Marjo, dans lequel on va faire un retour historique. Oui, historique. Parce qu'on va faire un retour, dans le fond, dans le passé. Qui est Marjo? Le moment présent. C'est quoi nos émotions, dans le fond, que l'on est en train de vivre? Parce qu'il n'y a pas personne qui vit les mêmes émotions d'une manière ou d'une autre, et où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le futur? Parce que nous, notre vie, elle continue, bien sûr, si nous en faisons le choix. Donc, on retourne dans le passé. Qui suis-je? Et qui de mieux que des membres de la famille pour nous en parler? Parce que je vous avoue, ça fait plus personnel que si c'est moi qui le faisais, n'est-ce pas? Donc, j'inviterai Gabriel à l'avant, s'il vous plaît. Par ici.
Mais c'est correct. On peut faire le tour. Pour éviter la marche. On voit qu'elle aime le podium. Peut-être, oui. Donc, juste à parler proche du micro, s'il te plaît. Une chance que j'ai mis des talons hauts. Donc, aujourd'hui, tout le monde est rassemblé pour honorer ma maman, Marjo. Toutes les personnes qui sont présentes ici sont au courant que les 5 dernières années ont été plus difficiles pour elle. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette derrière nous ces années-là. J'aimerais qu'on se concentre sur les années avant ça. Parce qu'elle était tellement plus que cette maladie qui l'envahissait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me rappeler la maman musicienne passionnée par tout ce qui se rapportait à la musique. Je me souviens qu'elle jouait sa flûte pendant des heures et des heures, puis je trouvais donc ça gossant, mais... mais aujourd'hui, je donnerais tout pour l'entendre une dernière fois. L'armée a été pour elle la grande majorité de sa vie. Ça a été pour elle un moyen de vivre sa passion de la musique. Donc, je tiens donc à remémorer ma maman militaire, avec qui je pouvais passer des heures à cirer des bottes. Ça me faisait plaisir jusqu'à temps qu'elle soit parfaite. Je l'accompagnais tous les jeudis matins durant l'été pour ses parades à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'adorais la regarder se préparer, mettre son uniforme, faire sa toque dans ses cheveux. Elle était vraiment belle à voir. J'ai apprécié chaque concert où je l'ai regardée jouer. C'était magique. J'ai aussi envie de garder un souvenir d'une maman qui adorait la lecture et qui dévorait chaque roman qu'elle commençait. Elle se donnait même le défi de finir n'importe quel roman, peu importe s'il était bon, s'il était mauvais, c'est sûr qu'elle finissait. C'est aussi ce qui m'a donné le goût à moi, la lecture, parce qu'elle pouvait passer des heures plongées dans un livre. Je veux également garder en mémoire ma maman au camping, celle avec qui je partageais mes prises de pêche de grenouilles et qui faisait semblant d'être fière, mais dans le fond, elle était dégoûtée. Celle avec qui je pouvais passer justement des heures à lire sur le balcon de la roulotte. Moi au soleil, puis elle à l'ombre, bien sûr, pour ceux qui la connaissaient. Elle ne pouvait pas sentir le soleil. Dans mes meilleurs souvenirs avec ma maman, il y a nos nombreuses soirées où l'on allait chercher des cochonneries au dépanneur. Puis on allait au club vidéo du coin pour aller se louer un bon film de fille. Ça, c'était mes meilleures soirées. Ma maman a été une mère quasi monoparentale, sans rien enlever à mon papa, jusqu'à Noël 2005. Cette fameuse soirée où mes parents se sont réunis sous le sapin. Le lendemain, je me réveillais en criant « Papa et maman ont dormi dans le même lit! » À ce moment-là, j'étais la petite fille la plus heureuse quand mes parents se remettaient ensemble. Nous avons vécu tellement de beaux moments en famille. Je me souviens notre premier soir d'Halloween à Chambly, on avait un rendez-vous à la banque pour l'achat de la maison. Le soir même, mais ma mère, elle voulait tellement que je passe l'Halloween parce que c'était important pour elle que sa petite fille, elle passe l'Halloween. On est parti à 16 heures dans un quartier, puis on était les seuls, mais on s'en foutait. Elle voulait simplement le meilleur pour moi, mais aussi pour toute personne qui la côtoyait. Tous ceux qui ont eu la chance de la connaître peuvent confirmer que ma mère était quelqu'un qui plaçait tout le monde avant elle-même. Elle était si attentionnée et empathique. La preuve, à tous mes anniversaires jusqu'à l'âge de 18 ans, je me suis réveillée avec des banderoles et des ballons de bonne fête. Même si elle devait attendre très tard jusqu'à ce que je me couche pour les installer et réussir à me faire la surprise. Mais à chaque année, je me levais, puis le jour de ma fête, j'avais des banderoles et des ballons de bonne fête. En plus, chaque matin depuis que je me souvienne, elle se levait, puis avant même de prendre son café, elle faisait le lunch de mon père et même le mien, sans que personne lui demande, juste parce que ça lui faisait plaisir. Bref, je pourrais parler de ma maman pendant des heures. Je suis choyée et honorée de dire qu'une femme hors du commun, une maman extraordinaire et une musicienne militaire hors pair m'amuse au monde. J'espère un jour lui ressembler, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Maman, tu vas nous manquer énormément. Nous t'aimons, papa et moi. Bon voyage! A bien fait ça, merci. J'offre toujours l'occasion aux gens ici dans la pièce, il y a des personnes qui veulent ajouter d'autres choses. Vous pouvez soit venir à l'avant, comme vous pouvez le faire à partir de votre place. Sentez-vous bien à l'aise. Juste à parler proche du micro, s'il vous plaît. Oui. Donc, je vais, moi aussi, c'était dans le Marjo positif de ma vie que j'avais envie de parler.
Ça donnait bien. Ce matin, j'ai écrit mes mots juste parce que Ghislain pensait que j'y arriverais pas. Donc, ce que je vais le lire quand même, là, même si je sais ce que j'ai écrit, je vais prendre le temps de le lire pour rien oublier. Fait que ce que j'avais envie de dire à Marjo, c'est que notre relation, c'était la plus improbable des réalités. Elle ne pouvait pas m'aimer, mais malgré ça, elle m'a aimée. On n'a pas besoin d'en parler, mais on s'est liés d'amitié de manière importante. Je vous parle de ça parce que, dans le fond, Marjo avait tellement de belles qualités qui vont me manquer. Elle avait aucun malice. Elle voulait juste voir les gens heureux autour d'elle. Puis même que, tu sais, tu l'as dit, je pense qu'elle voyait juste des qualités dans tout le monde. Il n'y avait jamais personne qui avait des défauts. Puis même, elle s'en donnait à elle plutôt. Puis elle nous remontait, puis elle se redescendait tout le temps. Qu'on a eu des conversations là-dessus. Il n'y a pas juste nous qui avions des qualités, elle en avait tout autant que nous autres. Fait que cette générosité-là, ça allait au point de faire gonfler notre égo à nous. On avait une grosse tête, on essaie de ressortir, pas trop enfler, parce que ça n'avait pas même de bon sens. Par sa part, elle, ce qu'elle voulait, c'est que son monde soit bien autour d'elle, toutes les gens qui la côtoyaient. Aussi, elle démontrait une réelle affection pour sa famille dans son entièreté. Puis sa famille, on n'arrête pas de faire des blagues. Nous, on a élevé nos enfants en communauté, c'est ce qu'on dit. Puis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ma fille, tantôt, est arrivée avec une pouliche, puis elle l'a mis à l'avant parce que Marjo pouvait passer des heures assise à terre avec Sabrina pour que Sabrina ne se sente pas à part dans cette gang de plus vieux qu'elle. Elle était la petite. Et Marjo a passé des heures à jouer à pouliche avec Sabrina. On se rappelle aussi tous les moments sur le bord du feu de camp avec les guimauves, on a même reçu dans le front, la chute en bas de la galerie, les jeux de cartes. Oui, c'est ça, les karaokés. On avait l'air d'une belle gang de fous, mais c'était très drôle. On a eu beaucoup de plaisir ensemble, sans jugement, sans gêne, sans malaise. On aurait peut-être dû des fois en avoir, mais on n'en avait pas tant que ça. On s'est écrit, Marjo puis moi, juste 2 jours avant. Fait que c'était comme... je parlais d'improbabilité au début, bien, pour moi, c'était improbable. J'ai espéré très fort qu'elle s'en remettrait. Puis, ce que je veux dire, ça repose-toi, ma belle. Tu le mérites maintenant. Puis, arrête, Normand. Si je vous ai connue, c'est grâce à elle. Puis, je vous dis qu'on s'aime beaucoup, puis on va être là encore. Vous avez besoin de nous autres. Ghislain, Gabi, mais on est votre famille. Fait que merci, Marjo, d'avoir permis ça. Toute cette famille, cette grosse famille-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui se sentiraient à l'aise de venir à l'avant? Marjo, aujourd'hui, tu nous réunis pour fêter ton entrée au ciel. Tu as certainement rencontré notre bon Père du paradis. Et avec nous, tu fais une grande visite là-haut, habillée d'une belle robe blanche et belle comme celle du Seigneur, ornée de brillants de toutes sortes. Tu es heureuse et tu pries pour nous tous. Tu n'as pas vécu longtemps, mais tu as vécu assez intensément, fait bien des expériences, bonnes et moins bonnes, mais
Ce qui te faisait vibrer, c'était la musique. Tu y mettais tout ton cœur. Tu n'avais pas besoin de pratique, car un regard suffisait pour te faire dire « Marjo, tu as bien pratiqué cette semaine. » Elle riait et tu me disais « Tu vois, maman, j'ai bien pratiqué. » Tout ce qui, tout ce que tu touches, tu le réunissais. Tu étais aimée de tout le monde. Marjo, tu es notre fille et sois assurée que nous ne t'oublierons jamais. Je t'aime, ma fille chérie. Maman. Je me présente comme un ami en premier, mais aussi comme chef de musique, où j'ai eu la chance de diriger Marjo pendant 22 ans, soit la totalité pratiquement de ma carrière de chef au sein de la musique des Fusées de Sherbrooke. Je représente aussi le régiment, les Fusées de Sherbrooke, le commandant. Le lieutenant-colonel André Morin, qui m'a spécifiquement demandé de représenter le régiment. Ce qui est surprenant, mais en même temps pas tant, c'est que depuis l'annonce de décès, il y a eu plusieurs arrêts dans nos rencontres officielles militaire, pour prendre une minute de silence. Ça a commencé avec réunion d'état-major. La musique aussi l'a fait. Et ce soir, on va avoir tout le régiment qui va s'arrêter une minute. J'ai eu des commentaires, des messages d'anciens collègues de Marjo. Et là, on voit que, finalement, c'est pas important le grade que tu portes. C'est pas important là où ce que tu te retrouves, où tu penses te retrouver. Peu importe, tu fais une différence. Et Marjo a fait une différence dans le cœur de plein de gens. Et c'est ça que je voulais porter comme message. Parce que Marjo, elle-même le dirait, j'ai juste un grade de caporal. Ben, le caporal a arrêté une réunion d'état-major et va arrêter un régiment entier à 18 heures. Là, c'est cette partie-là de message que je me suis dit, il fallait que je vienne vous transmettre. Attendez. Je fais quelque chose de tout à fait improvisé, ce que j'appelle... Quand ça arrive, l'émotion m'embarque, quand c'est inspiré. C'est la première fois que ça m'arrive. Pierre pourrait confirmer. Elle était militaire. Nous avons un militaire. Et je trouve, comme ce n'est pas un service militaire, on pourrait faire quelque chose d'un peu militaire. Je vous inviterai à vous mettre en face de l'urne. Vous pouvez y aller. Et j'inviterai tout le monde ici à vous lever. Juste... Oui, très bien. Oui, le chapeau. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas un service militaire, mais on pourrait prendre un geste tout à fait symbolique et un moment de silence. Pas simplement pour Marjo, mais pour tous les soldats qui nous ont quittés, peu importe où dans le monde, peu importe les raisons ou la mission qu'ils ont eue.
Alors faisons tous ensemble un salut militaire. Et maintenant, un moment de silence. Merci. Faites vous asseoir. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui souhaiteraient parler? Sentez-vous bien à l'aise. Juste avant d'écouter la deuxième chanson, Reviens-moi, a été enregistrée cette semaine par Danny Bédard, son chanteur québécois préféré, ainsi que par la conjointe de celui-ci, Marie-Ève Fournier.
Y en a-tu ici qui ont eu la chair de poule pendant la chanson? Oui. Ça fait quelques services que je pose cette question-là, parce que si je vous disais, en relevant votre manche, puis vous dites « chair de poule », est-ce que vos poils vont relever? Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand on a la chair de poule, c'est qu'il y a une situation qui arrive hors de notre contrôle, de notre volonté, et que ça vient affecter notre corps. Notre corps réagit, qu'on le veuille ou pas. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un décès, bien, il y a toutes sortes d'émotions qui viennent nous envahir, qui viennent nous perturber. C'est ce qu'on appelle, pour certains psychologues, les étapes du deuil. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a un ordre particulier. L'intensité peut être plus différente d'une personne à une autre. Une personne peut vivre beaucoup plus la colère par rapport à l'univers, qui va dire, mais pourquoi elle? Qu'est-ce qui est arrivé? Ou même par rapport à Dieu. Donc, quand on a de la colère, on vient tout crisper littéralement à l'intérieur. T'sais, on voudrait frapper, on voudrait crier dans un oreiller, par exemple. Comme pour d'autres personnes, bien, ça va être la tristesse, bien sûr, pour pleurer. Jusqu'à l'extrême, s'isoler dans un coin, on ne veut plus parler à personne. On ne veut plus absolument rien faire. Comme il peut très bien aussi y avoir, évidemment, le stress. Le stress, vous saviez, quand arrive un décès, là, quel salon funéraire, c'est quoi les démarches, c'est qui faut téléphoner, qui qu'il faut aviser, toutes les préparations que ça la demande. Et que dire sur la culpabilité aussi? Ça paraît fou, mais dans le sens que, y a-t-il quelque chose que je lui ai dit que, dans le fond, je regrette lui avoir dit? Oui, des choses je voudrais lui dire, lui avoir dit, avant qu'elle parte, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas retourner en arrière, bien sûr. Bien, le déni, bien oui, non, ça ne se peut pas. Hein? Le choc qui peut y arriver. Bref, toutes ces émotions-là, ça fait mal. Si vous me dites, ça vous fait du bien, là, on va se parler dans le bureau 2-3 minutes. Et quand on regarde dans le dictionnaire ou sur Google le mot « mal », on peut trouver au-dessus de 600 mots faciles. Je dis ça parce que pour ceux qui aiment jouer au Scrabble, là, vous pouvez avoir quelques idées. Mais quand on dit le mot « mal », entre autres, « maladie »,« malaise », »,« malheur », puis j'en passe. Bref, ça fait mal. Je ne veux pas ici faire ce qu'on appellerait une thérapie de groupe là, ensemble. L'idée ici, c'est de savoir quelle émotion qui vient chercher le plus. Et durant la prochaine chanson qu'on va écouter dans quelques instants, et je me permets une petite introduction ici, tu peux partir, enregistré par Boom Desjardins, ce mercredi, donc, il y a quelques jours, avec Yannick Boivin et François Blouin, tous membres de La Chicane. Groupe pour lequel Ghislain, ne me trompe pas, son mari, agit comme directeur technique et de tournée. La Chicane est devenue son groupe fétiche et au cours des dernières années. Donc, durant cette dernière cette chanson-là, tu peux partir. Mais pensons à l'émotion que je vis là, et dans le fond, d'une certaine façon, quelle émotion que je veux qu'il parte. Pas nécessairement tout de suite, drastiquement, mais quelle émotion que j'ai besoin de libérer. Je vois encore quand t'es pas là. Quand tu fais noir, c'est encore pire. Y'a un vide quand je croise les bras. Y'a rien à faire, je peux plus mentir. Déjà c'est moi à essayer de ramasser ce que t'as laissé. Fermer les boîtes pour plus te sentir. J'entends de moins en moins de mots. Puis qui te pousse des ailes dans le dos. Tu voulais pas que je passe voir là. Quand je t'ai trouvé, t'étais plus là. Thank you.
que t'es petite, que c'est comme ça. Toutes ces blessures qui te rappelaient ce que tu te souvenais même pas. Le dernier choc qui venait te chercher dans un malaise qui t'a pris par surprise. J'aurais jamais pensé que tu me manquerais autant. Tu peux voler, je vais m'arranger pour oublier l'image de ton corps sur le plancher. Salut ma belle, tu peux partir. J'embrasse, je t'oublie pas. Tu peux mourir. T'étais plus là. Mmh. Je t'embrasse, je t'oublie pas. Tu peux partir. Permets une petite note personnelle. T'as des vraiment bons amis. Faut-tu que je leur demande la permission pour les autres funéraires, services pour jouer ces chansons-là? Non, non. Je ne sais pas pour vous, là, mais en tout cas, j'en vois plusieurs qui ont besoin de papier mouchoir. On a des boîtes en avant, on peut les distribuer. Je dis ça un peu à la blague, mais je suis sérieux en même temps. Oui. Où allons-nous maintenant? C'est rendu maintenant la troisième étape, l'avenir, le futur. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Si je le savais. Une chose est sûre, c'est que demain existe. Qu'est-ce qui va arriver demain? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est qu'après avoir vécu justement toutes sortes d'émotions, mais comment maintenant s'en libérer? Comment? Pas nécessairement s'en libérer, mais comment avoir une certaine paix intérieure. De là que les psychologues vont souvent nous dire, bien, c'est l'acceptation. Pas l'acceptation dans le sens, c'est fait, c'est fini, on passe à autre chose. L'acceptation plus à comprendre dans le sens, oui, c'est arrivé, je vis telle émotion, maintenant je l'exprime. Et je vais prendre un temps pour honorer la mémoire de Marjo. Et avec le temps, ben c'est cesser, diminuer d'avoir de la colère, de la tristesse, de la peine, et j'en passe. Et que la relation qu'il y a eu physiquement, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau de relations physiques, matérielles avec les gens, maintenant elle devient plus spirituelle, cette relation-là. Que l'on croit ou non qu'il y a quelque chose de l'autre côté, au moins, une chose est sûre, c'est que spirituellement veut dire garder dans notre mémoire, parce que c'est le contraire du matériel. Donc, c'est ça le beau souvenir qu'on veut en garder. Et c'est ce que nous avons entendu, entre autres, des beaux témoignages. On met l'accent avant la souffrance sur les belles années. C'est ça quand on veut faire un hommage à la vie. Parce que nous aussi, on n'a pas à se le cacher. Il va en avoir des moments de tristesse. Il va en avoir d'autres décès. On ne peut pas faire la tête de l'autruche dans le sable.
T'sais, c'est comme dire, oh, COVID, pas COVID. Non, non, il y a quelque chose qui se passe, ça c'est clair. On ne peut pas le cacher d'une manière ou d'une autre. Mais il faut intervenir, si bien sûr on a le choix. Donc, toutes les souffrances qu'on a nommées tantôt, bien, notre corps devient fatigué. Notre corps a besoin de repos. Notre corps a besoin d'avoir un petit boost d'énergie. Et je pense, comme qui de mieux que les militaires, je me souviens, au secondaire 5, ils nous montraient une vidéo sur l'entraînement pendant 18 semaines. C'est encore ça, 18 semaines? Ça dépend des périodes. Dépend des périodes. Bon, OK. Alors, disons une moyenne de 18 semaines. Vous savez, comme moi, quand c'est un entraînement, c'est du conditionnement physique, entre autres la course, le poids, puis j'en passe. Bref, le corps est fatigué. Et c'est ce que les militaires veulent, dans un certain sens, pour qu'au bout de la ligne, le corps puisse s'endurcir, n'est-ce pas? Parce que je me trompe. Peut-être que je n'ai pas les bons mots. Mais du moins, puisse reprendre plus d'énergie à la longue et plus fort. Ce n'est pas pour rien qu'on voit les gens s'entraîner régulièrement. Pas juste avoir des beaux selfies sur Facebook ou sur Instagram, n'est-ce pas? Moi, le premier, tu sais, si je commence à faire 10 push-ups, j'arrive à en faire 20 en 10 jours, c'est que le corps, justement, reprend. Et c'est de là que je propose comme deux, trois, quelques techniques, dans le fond, pour trouver une certaine paix intérieure. La première, de savourer le moment présent. Je dis ça un peu à la blague parce que c'est le meilleur exemple que je peux donner. Qui ici a pris un bon café ce matin? Bon, plusieurs ici. Café Tim Hortons, j'imagine? C'est correct. On ne veut pas pointer du doigt au McDo. C'était peut-être pas le meilleur. C'était peut-être pas le meilleur, mais bon. C'était pas le meilleur, mais ça me dérange. C'était un bon café. L'idée du café ici, c'est que quand on est habitué à le prendre à tous les jours, votre café, à un moment donné, on dirait comme, est-ce que l'odeur du café, je la sens comme si c'était la première fois que j'ai découvert le café. Quand il fait frais le matin, habituellement, on se réveille, il me semble qu'on sort des couvertes un peu, ouh! Et là, on prend le café dans nos mains, puis on dirait, ah, ça vient comme me réchauffer. On boit une gorgée, c'est comme ça réchauffe l'âme un peu. Mais imaginez si vous faites ça de manière routinière. J'ai-tu pris mon café, moi, matin? Si c'est ça, là, c'est parce que ça devient une routine. On vient de perdre le moment présent. Quand je faisais référence au tout début, métro, boulot, dodo, on fait les choses tellement machinalement qu'on oublie l'essentiel. Donc, le moment présent. Quand on dit « je t'aime », est-ce que c'est genre « oh oui, je t'aime, oh oui, oh oui » ou c'est genre « oh oui, je t'aime » comme si c'était le dernier. Ça, c'est juste des petits exemples. Je pourrais continuer, mais on est limité quand même par le temps. Une deuxième, c'est ce que j'appelle la technique du chaton. Vous avez tous, au moins une fois dans votre vie, je ne peux pas croire, si vous ne l'avez pas fait, ce serait peut-être temps de le faire, un petit chaton qu'on tient dans nos bras, sur le dos, qui ronronne et qui « dort », entre guillemets, qu'est-ce que ça représente? Y es-tu bien un peu ou y est pas bien? Il est confortable, il est en paix, il est en silence, il n'est pas nerveux, il n'est pas curieux de savoir ce qui se passe autour. Encore une fois, il vit son moment présent. Et le ronronnement, on l'entend encore plus. Un bébé qu'on tient dans nos bras, oui, c'est cute, OK? J'en ai pas, c'est pour ça que je dis ça de même, là. Mais le fait d'avoir un chaton, c'est parce qu'il ronronne. Tu sais, c'est le son. Il y en a qui peuvent même s'endormir, même qu'il y en a qui vont même dire, le ronronnement d'un chat, c'est thérapeutique. Je ne vous dis pas d'aller chercher un chat à SPCA ou peu importe où, là. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est d'avoir un moment de silence chez vous, à un moment donné, pas de la, oui, de la belle musique, oui, mais lire dans un monde idéal en silence, tranquille, relax. Assis, couché, peu importe. Un moment où toutes les émotions négatives qu'on a, on a parlé tantôt, là, que vous ressentez, vous faites, excusez, soufflez ça. Pas un soufflement d'ennui comme, il est-tu plate des recs en avant? Non.
un soufflement pour littéralement dire le stress, la colère, la fatigue, l'incompréhension, mettez-en. Là. Tout ce qui peut être négatif, de le souffler. Et de prendre ce moment-là visuellement d'être comme un chaton. Je ne vous dis pas de ronronner, là. Ça vous tente tant mieux pour le fun. Au moins, ça va vous apporter un petit sourire à ce moment-là. Ça, c'est des techniques. La troisième technique, et c'est ma préférée personnellement, c'est celle de la prière de la sérénité. Il y en a qui vont dire, ah, c'est pour les alcooliques anonymes. Personnellement, j'aime cette prière, non pas parce que je suis un alcoolique, je ne le suis pas, mais j'ai ici un anneau. L'anneau, il y a une inscription que c'est la prière de la sérénité. Donc, peu importe moi où je suis, peu importe que ce soit au travail, que ce soit à l'épicerie, dans la rue, dans le trafic, ou s'arrêter dans un entraînement quelconque, peu importe où, là. Même si on veut s'ostiner avec des artistes parce qu'ils ne veulent pas respecter ta note de directeur de musique, un exemple, ou encore qu'on dit, si je te dis pied gauche en avant, c'est pied gauche en avant, pas le pied droit, ou vice-versa, peu importe. Tu sais, on peut avoir un petit côté rebelle, puis des fois, on voudrait, hein, non. C'est une technique encore, la prière de sérénité. Tu sais, c'est comme dire de 1 à 10, mais la prière de la sérénité, je me permets de l'adapter pour aujourd'hui. Ma chère Marjo, musicienne de cœur, soldat de cœur, on te demande de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure, particulièrement pour les choses, les moments que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Inspire-nous. Donne-nous la force et la détermination, entre autres, pour avoir du courage pour faire face aux événements de la vie, aux situations que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Inspire-nous aussi de la sagesse, du discernement, d'avoir les bonnes personnes autour de nous pour nous aider, nous accompagner, nous soutenir, et nous, nous-mêmes, avec les autres. Inspire-nous, autant comme une pièce musicale, d'être une symphonie, d'être vraiment un groupe ensemble, comme un orchestre, et d'être illuminé de ce que j'appellerais une vive flamme d'amour, illuminé comme une chandelle, vive parce que c'est vivant, et bien sûr, d'amour parce que notre société, oh, que nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de nous parler, de jaser, de dialoguer, et bien sûr, de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous et de continuer d'avancer un jour à la fois. Sur ce, Marjo, je te fais un dernier salut militaire. Merci. Alors voilà ce qu'est un hommage à la vie. On pourrait continuer, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un bref retour sur son passé, sur sa vie à Marjo. De regarder quelles émotions qui nous envahissent aujourd'hui et comment mieux s'en sortir, comment être mieux fraternel, comment être mieux être un orchestre ensemble. D'avoir un chef d'orchestre qui peut nous guider un jour à la fois, parce que c'est ce que nous avons besoin. Et quand je parle du mot essentiel, j'aime bien jouer avec les mots essence, ciel, le carburant spirituel que nous avons besoin, eh bien, c'est ça. Je tiens à vous présenter une fois de plus mes sincères condoléances et qu'un jour à la fois, on puisse continuer, bien sûr, à éclairer, à être une lumière, d'une certaine façon, en nous inspirant des beaux moments de la vie de Marjo. Merci de votre attention. Je laisse le dernier mot à notre ami Pierre. Initialement, je veux offrir mes condoléances aux gens de la famille que je n'ai pas eu la chance de rencontrer plus personnellement. Aux parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour rendre cet hommage à Marjo,
Merci infiniment. J'espère que votre retour sera serein et en toute prudence. Merci d'avoir choisi le complexe funéraire La Sieur. Je veux vous assurer que nous avons été honorés d'être avec vous aujourd'hui pour cette célébration. Merci, Derek, pour vos paroles réconfortantes et chaleureuses qui tombent à point, je crois. Encore une fois, je vous souhaite un retour prudent et je ne dis pas à la prochaine, je dis toujours à la prochaine rencontre. Merci. Le plus longtemps possible. Durant la dernière chanson, une petite introduction. La dernière pièce est comme « Come What May ».« Come What May ». Du film « Moulin Rouge ». Quand j'entends ça, je dis « Pardon ». Ce n'est pas le souvenir que j'avais, mais c'est correct. Et c'est la chanson du mariage, entre autres, de Ghislain et de Marjo. Alors, écoutons, juste avant de partir la chanson, vous serez invités. Soit, techniquement, on ne devrait pas toucher l'urne, mais vous pouvez avoir au moins une certaine distance par rapport à l'urne à cause de la période de COVID. Et on vous invite, aussitôt que c'est fait, que ce soit une prière à voix haute ou à voix basse, c'est à votre discrétion, bien sûr, et de remettre vos masques. Et on vous demanderait tout simplement de quitter le salon, le complexe, parce qu'on doit assurer évidemment le 2 mètres de distance. On s'excuse des inconvénients, mais malheureusement, on doit faire avec. Encore une fois, merci. Never knew I could feel like this. Like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Listen to my heart, can you hear it sing? Telling me to give you everything. Seasons may change, winter to spring. But I love you until the end. Suddenly